une crème de bambolo. Come on.
Bobby, Abba Kotiku, Anga Fonte Da Elema, Anga Fonte Liko. Le 1er avril 2022, ça c'est une date qu'il faut mentionner. Lettre ouverte adressée au président de la Nation panafricaine Mali, le colonel Assimi Goïta. À son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, colonel Assimi Goïta. Excellence, Monsieur le Président, nous, citoyens, affranchis de la souveraineté nationale, réunis en collectif, groupement de la société civile du Mali, venons à vous à travers cette correspondance pour soumettre un certain nombre de doléances. Et cela pour plusieurs raisons, dont, entre autres, 1. La déclaration de l'officier du service de renseignement français qui a dévoilé au grand jour la volonté des autorités françaises à travers le président français Emmanuel Macron d'éliminer les autorités de la transition panafricaine du Mali et en procédant à la destruction du poste de commandement de l'armée malienne. 2. L'attitude affichée par le président de la transition, le président français Emmanuel Macron, suite à la suspension par les autorités de la transition du Mali, les médias de propagande français, France 24 et RFI, à vouloir instruire au président de l'exercice de la CEDAO, le Ghanaien Nana Akufo-Addo,
à durcir les sanctions contre le Mali avec le soutien de la France et de l'Union européenne. 3. La déclaration du valet français nigérien Mohamed Bazoum, accusant les autorités de la transition de criminels. 4. Les acharnements insensés des chefs d'État de la CEDEAO sont devenus aujourd'hui des véritables valets français. Ils sont devenus des véritables. Il est aujourd'hui inconcevable que notre pays puisse continuer. C'est bon? D'accord, merci. Ah, ben je reprends alors? Vas-y. Non, nous sommes là pour le peuple. On reprend. Je reprends. Lettre ouverte adressée au président de la CEDEAO, à son excellence, monsieur le président de la transition panafricaine du Mali, le colonel Assimi Goïta. Son excellence, monsieur le président, nous, citoyens assoiffés de la souveraineté nationale, réunis en collectif, associations, syndicats et regroupements de la société civile du Mali, venons à vous à travers pour soumettre un certain nombre de doléances. Et cela pour plusieurs raisons. Entre autres, la déclaration d'un officier du service de renseignement français qui a dévoilé au grand jour la volonté des autorités françaises à travers le président français Emmanuel Macron d'éliminer les autorités de la transition et de procéder à la destruction des postes de commandement de l'armée malienne. 2. L'attitude affichée par le président français Emmanuel Macron suite à la suspension par les autorités de la transition du Mali des médias de propagande français sans intérêt et RFP, à vouloir instruire le président à l'exercice de la CEDEAO, Nana Akufo-Addo, à durcir les sanctions contre le Mali avec le soutien de la France et de l'Union européenne. 3. La déclaration du valet français nigérien Mohamed Bazoum, accusant les autorités de la transition des criminels. 4. Les acharnements insensés des chefs d'État de la CEDEAO la décision des chefs d'État de la CEDEAO de maintenir les sanctions en dépit de l'avis et la Cour de justice de l'EMOI demandant leur suspension. Il est aujourd'hui inconcevable que notre pays puisse continuer à payer pour son combat contre l'impérialisme, le néocolonialisme français à travers des institutions sous-régionales qui malheureusement ne répondent plus aux normes préétablies par les initiatives. Nos doléances, Excellence, Monsieur le Président, sont les suivantes. Première doléance, l'arrêt immédiat des missions de la CEDEAO dans notre pays. Le retrait pur et simple du Mali de la CEDEAO. Trois. La création d'une monnaie nationale symbole de souveraineté. Puis la nationalisation de toutes les entreprises de sociétés françaises au Mali. Le renouvellement sous un compte prétexte du mandat de la ministre.
intelligent, intelligente de la force d'Alger. Et vous, madame. Et vous, madame. Et vous, madame. C'est pas le moment, oui. Et vous, madame. Aux recommandations des Assises nationales de la Refondation en ce qui concerne la durée de la transition pour laquelle nous proposons une durée plafond de 5 ans. Madame, vous connaissez, madame, madame, madame,
Je vais vous faire
la ligne de la manta pour la voie de la roue au gangatine. Pangela, Malila, Malila, Malila. C'est d'abord que les gars m'y embarquent à Pangela, Malila, à tout gara, Malila. À la manguine, la général Moussa Traoré, général Moussa Traoré, à la manguine. Il y a une douanière de Yelamanaka, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une douanière pour la libre circulation des biens et des personnes. Il y a des marchandises ou des yala yala, des manaumini ou des yala, 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 chaque état où il y a grand ici ça quand il y a grand affaire ça faut que nous comme la population là pour nous comme voter mon là pour si ça comme il a dit pour nous il est pas gagné comme il a dit pour nous comme femme et nous et ma bonne nage on est pour le bon et ne faut pas se principer et se dire au Konanawa. Alaka Yapama, Kiraka Yapama, est-ce que principe président Macroni, est-ce que nous n'avons pas à de Doha ou à Kira de Doha? Si tu vas baisser les hauts comme Nana, n'a pas la voix en faux. Allah est de mon eau calfola. N'a pas la voix en corona, de mon eau béo. Allah est de mon eau calfola. Oulukata ou d'inflan n'en fait. Oulukata ou d'onou n'en fait. Oulukata Macron présent, Macron n'en fait. Connons pour mi, pour Allah est ok. On est dit, on ne veut pas de ça. Aujourd'hui, on est mis pour rien. On a demandé, on va le faire pour nous aider. On est bien parti, on ne veut pas. Mais on a mis pour rien. Mais bon, on va pour rien. On a demandé, on va se faire au moulin de la tournée. CDAO, 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 allez, Fasso! Allez, Fasso! Faut encore! Faut à partir d'aujourd'hui! À partir d'aujourd'hui! À ma facilité! Faut la dricati, c'est là où on va faut pour les enfants, Ou bien,
Ebise ka nyange o popo na ajo. Oya e bise kola. Oya ya ti bise kola. Wallahi billahi o ti se fue la bazo. Mais je veux qu'on passe à la quatrième république. On passe à la quatrième. Merci. On veut sortir de ça. Il n'y a plus de troisième république. Il faut que le CNT, il faut que le CNT se transforme en constituant pour faire la quatrième république. Come on,
de fois, il y en a dit. Pour gagner des bombes, on a dit. Mais il y a une autorité au fait. Il y en a un autre qui l'a dit. Pas une. On est.